Voyageur. Son arrivée changea notre histoire pour toujours. Des villes fleurirent sur Mars et Vénus. Mercure devint un monde fertile. Nous vivions trois fois plus longtemps. C'était une ère miraculeuse. Notre regard se tourna vers les étoiles et nous comprîmes que notre destin était d'aller à leur rencontre. Mais le voyageur avait un ennemi, les ténèbres, qui le poursuivaient à travers l'espace depuis la nuit des temps. Quelques siècles après le début de notre âge d'or, les ténèbres le retrouvèrent et nous avec lui. Ce fut la fin de tout. Mais aussi un nouveau début. Attention, gardienne. Ça a marché. Vous êtes en vie. Si vous saviez le temps que j'ai passé à vous chercher. Je suis un spectre. En fait, je suis votre spectre. Et vous, disons simplement que vous sortez d'une longue noire. Vous verrez que le monde a beaucoup changé depuis votre époque. C'est trop dangereux ici. Ils vont nous réduire en miettes. Je dois vous ramener à la cité. Ne bougez pas. Tout va bien. Je suis toujours avec vous. Nous devons partir. Vite. Nous sommes en territoire déchu. Rester à découvert est beaucoup trop dangereux. Entrons dans le mur. Thank you.
Je ne vous ai pas réanimé pour que vous mouriez de nouveau. Vite. Vous m'avez entendu? Nous allons mourir si nous restons ici. Croyez-moi, nous serons plus en sécurité à l'intérieur. On doit vous trouver une arme avant que les déchus ne nous tombent dessus. Silence. Ils sont juste au-dessus de nous. Les déchus aiment l'obscurité, mais nous, il nous faut de la lumière. Je vais nous faire un peu de lumière. Pourquoi comme ces systèmes militaires? Je dois me battre contre des siècles de dégradation. Viens par ici! Il y a une arme. Prenez-la. J'espère que vous savez vous en servir. Qu'est-ce que c'était ?
en a d'autres plus loin, par là où nous devons passer. Continuez comme ça. Voyons ce qu'il y a dedans. Des mines laser ! Ne les touchez surtout pas ! Beaucoup plus de déchus que je ne le pensais ici. Nous devons continuer d'avancer. J'espère qu'il reste quelque chose là-bas.